Bonjour à Chaman Delphi Babylone de GLMC. Zambia pour tous les noirs de la Zulu Toto. File Libayabo. Ismou. Bonjour à Chaman. Bonjour à Chaman. Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. The people of Eastern Congo, particularly the women of Eastern Congo, have to believe that the military is there for them, not to be an opportunity for abusing. Je suis témoin d'atrocités de masse commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés. C'est vraiment une immense fierté pour moi d'être vraiment avec Colette Bachmann ici, parce que pour moi c'est une des spécialistes du Congo qui travaille depuis combien de temps maintenant sur le Congo. On ne peut même pas compter. Moi je n'ai pas une vision négative. Je voudrais d'abord dire qu'une mode en Europe et qui dure depuis longtemps, c'est le Congo pessimisme. C'est toujours quand vous voyez des blancs, des Européens au Congo ou même ici, on dit et le Congo comment ça va? Et la réponse rituelle c'est oh ça ne va pas, ou c'est terrible, c'est de mal en pis. C'est de mal en pis et c'est marrant parce que quand moi je vais au Congo et que je vois mes amis congolais dans la cité à Kinshasa et qu'on boit un verre le soir à une terrasse, je dis dire que vous êtes le 189e pays ou le plus malheureux du monde d'après les statistiques de l'ONU. Et puis on éclate de rire et on dit mais qu'est-ce qu'on est bien ici quand même, qu'est-ce qu'on est calme, qu'est-ce qu'on s'amuse, il y a quelque chose. Au Congo, moi je ne rencontre pas de gens déprimés. Je suis allée combien de fois au Kivu, et on pourra en parler longuement, chez le docteur Mukwege, faire des reportages auprès des femmes victimes de violences sexuelles au Kivu. Ces femmes se battent, elles ont vécu le pire, elles ont vécu le viol, vraiment l'humiliation extrême. Elles ont été rejetées par leur mari, chassées de leur village. Et puis vous leur demandez la vie, c'est quoi? Ben, la vie, je dois quand même faire mon commerce, nourrir mes enfants, parce que mes enfants doivent aller à l'école. Ces femmes sont debout, elles se battent. Et si vous leur demandez la dépression nerveuse, l'effondrement psychologique, on vous regarde et on dit mais attends, de quoi vous parlez? C'est quoi cette histoire? On ne connaît pas parce qu'on doit vivre jusque demain, jusqu'après demain, et que finalement on est là et on tient le coup. Thank you.
Quel effet a eu le film au Congo? Mais il a eu beaucoup d'effets en Europe. Malheureusement, au Congo, il avait d'abord été interdit, et puis il a été projeté, mais une ou deux fois à la télévision. Et alors le producteur Thierry Michel a imprimé des milliers de copies du DVD qui s'est distribué comme ça, mais ça a été distribué de la main à la main. Mais au Congo, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de cinéma public, et il y a des chaînes de télévision, mais ce sont des chaînes commerciales qui passent de la musique et du football, du divertissement, mais qui ne passent pas ce genre de film. Et le pouvoir a autorisé sa diffusion une fois, mais pas plus que ça. Donc finalement, c'est un peu triste, mais c'est au Congo que le film a eu le moins de diffusion, alors qu'il a été diffusé partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci. Nous voulions savoir comment vous en êtes venu à adapter votre livre en un film et comment vous avez vécu du coup le fait de finalement transformer votre histoire avec des images. De modifier en film, quoi. Voilà. Mais en fait, c'est une longue histoire. C'est que, bon, moi, j'écris des articles comme journaliste depuis longtemps et je connais le docteur Mukwege, mais aussi ce problème de violence sexuelle au Kivu. Et j'avais l'impression que le docteur témoignait, plaidait, essayait d'alerter l'opinion et que ça ne franchissait pas le mur, de l'indifférence. Et puis je me suis dit, au fond, raconter l'histoire du Congo à travers le personnage du docteur Mukwege, raconter sa vie, c'est aussi raconter la guerre et raconter tout ça. Et donc j'ai fait le livre l'homme qui répare les femmes, qui a bien marché en Belgique, enfin un éditeur belge qui n'a pas diffusé énormément. Et puis en parlant avec Thierry, on s'est dit mais au fond le docteur pourrait faire le personnage d'un film qu'on ferait ensemble. Alors ça a été une longue aventure parce que il fallait convaincre des producteurs, trouver le financement. Ça nous a pris un an ou deux de mettre ça sur pied. Et puis finalement on s'est jeté à l'eau. De faire le film. Et là, je crois que le but initial a été enfin atteint, c'est de percer le mur du silence, le mur de l'indifférence, où la force de l'image, la beauté du film, grâce au réalisateur, a fait que les gens ont été émus et que même les pouvoirs politiques ont été touchés et que là, quelque chose s'est déclenché. Ici, cette année, on retourne au Congo. Bonjour les amis, c'est Tintin, votre grand ami. Moi, il y en a Tintin. Moi, il y en a vouloir. Ok, ne t'énerve pas. Bon, j'imagine que personne ne va vouloir porter mes valises. Tu vois, les choses ont bien changé ici maintenant, Milou. Les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Vous n'êtes pas blanc non plus. Tu oublieras qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vœux honorables étaient réservés aux seuls blancs. Ah non, mais c'est incroyable. Non, mais tu parles mieux que Milou maintenant. Professeur! Professeur!
deux ans qu'il est mort, ton frère Marie. Et alors, c'est plus mon frère? C'est plus ton mari? Est-ce que ça te donne le droit de te comporter comme une traînée? Et d'aller mettre la honte? La honte sur notre famille? Deux ans, tu comprends ça, deux ans? Ne touche pas, espèce de putain! Maintenant, c'est simple. C'est marche ou crève. Thank you.
Salut les petits loulous, c'est pas tout d'être disruptif dans la Startup Nation, il faut aussi passer à l'action. Et nous, c'est qu'est-ce qu'on fait ici, au service multimédia du Festival de cinéma de Douarnenez. Des grosses machines pour envoyer du pâté, pour envoyer du lourd, du 2.0 comme ils disent. Alors, LOL, PTDDR, rendez-vous demain pour un nouveau journal.